Et c'est le jour de derby. Vous abordez le derby en grande forme. Quelle sera votre approche pour ce match? Il y a le président chinois à côté de nous, attention. Encore un. On a vraiment faim de victoire. Nous sommes contents de nos derniers résultats et ça nous a mis en confiance pour le derby. Nous sommes concentrés sur le match et les joueurs sont confiants quant à la victoire.
Bienvenue à tous pour cette affiche qui est sans doute l'une des plus attendues de la saison ici. Âmes sensibles savent se tenir. C'est jour de derby. Voici deux équipes qui adorent se détester. On peut s'attendre à un engagement physique plus intense que lors d'un match classique. Ces matchs sont aussi parfois l'occasion pour certaines recrues ou certains jeunes de se faire une place dans le cœur des supporters de leur équipe. Bref, c'est un match à part. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf. C'est parfait pour ce match. Inter. À votre avis, Darren, qui fera la différence dans cette rencontre? Neymar, sans hésiter. On parle beaucoup de ses dribbles. Et c'est vrai qu'il est très brésilien, si on peut dire, parce qu'il tente des choses parfois insensées. Mais il faut aussi souligner son efficacité, parce que voilà un joueur qui est redoutable devant le but. Mais je crois que les défenseurs qui vont devoir le marquer aujourd'hui seront d'accord avec vous. Tatarusanu. Et on rentre dans le vif du sujet. Immobilier avec un ballon. Se sont déjà affrontés plus tôt dans la saison. Un derby, c'est surtout une affaire de fierté et de passion. Kier. Hernandez. Un long ballon vers l'avant. Milan qui a marqué dans chacun de ses 5 derniers matchs. Belle série en cours. C'est reparti, ils peuvent contrer. C'est bien donné. La passe dans la profondeur. C'est parfait, magnifique. Il envoie le... La frappe. Non, ça n'ira pas au fond. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment, en laissant autant d'espace sur les ailes. Premier corner dans cette rencontre. En dribble, c'est bien fait. Bon service dans la profondeur. Il n'a pas hésité à attaquer. La faute. Le ballon piqué sur le côté. Attention, c'est dangereux. Dans la profondeur. Passe interceptée. Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer évidemment. Chiesa ! Oh, mais quelle parade ! Ah oui, il semble déçu. Il pensait bien que ça allait au fond. Coup de sifflet, hors jeu. Quand le garde dans au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Le bon dribble. Il récupère le ballon. Christian Eriksen. Bien joué de la part du défenseur. Corner. Deux points. Il s'impose physiquement dans ce duel. Il cherche son coéquipier. Il est bien placé. Et
l'engagement du gardien. Ibrahimovic, la relance côté droit. L'ouverture lumineuse. Il cherche la profondeur. Oui, faut tirer là. Et il est renvoyé par le poteau. Là, il peut centrer. Dans la boîte, la tête. La tentative. Oh, quel arrêt. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Lucas Paqueta. Ibrahimovic. C'est joué dans l'espace. Le bon ballon. Quel timing dans l'interception. Hernandez. Kessier qui cherche à construire. Peut-être une occasion pour Rebic. Le ballon dans la profondeur. C'est bien fait ça. Il est passé. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Christian Eriksen. Eriksen. Oh. Ça passe à côté d'un rien. C'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là, et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. En retrait vers son défenseur. C'est joué dans la profondeur. Calabria. Il joue long. La longue passe, il peut en profiter. Voici Immobile, bien servi. C'est joué long. Tente sa chance. Et c'est le but. Idéalement, il fallait ouvrir le score avant la mi-temps. C'est fait. Et le timing est absolument parfait, ce qui n'est pas étonnant venant de lui. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez, on ne raconte pas que des bêtises quand même. C'est reparti, ça fait 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Kessié. Hernandez. Milan qui a le contrôle de l'entrejeu. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Les deux équipes gagnent donc les vestiaires avec ce petit but d'écart. Rien n'est donc joué dans cette rencontre. Votre sentiment sur cette première période? Oui, et c'est une avance logique, même si le score aurait pu être bien plus lourd vu le nombre d'occasions qu'ils ont eu. Avec un peu plus de réussite en seconde période, ça pourrait donner une large victoire. Un petit but, c'est par les deux équipes, 1-0 à la pause. La seconde période, c'est parti. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Oui, il y avait bien faute. Il s'en sort bien sur ce coup-là, mais la prochaine fois, l'arbitre sortira le carton. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il ne peut plus se permettre de faire ce type de faute. Chiesa, la bonne interception. Lucas Paqueta. Oh, voici Immobile. Oh, Christian Eriksen, ça joue à gauche. Ashley Young. Oh, Christian Eriksen, il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Un pas d'angoisse, encore un ballon récupéré.
Il se rattrape bien. Oh, Ibrahimovic, dans la profondeur. Bien donné, plein axe. C'est dégagé, loin. C'était intéressant, cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Dans la profondeur, bien vu. Peut-être une occasion pour Christian Eriksen. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Il choisit la profondeur. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Et la bonne intervention. Il est lancé sur l'aile. La voilà peut-être cette chance de revenir dans la rencontre. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Le ballon franchit la ligne, corner. Ce centre ne trouvera personne. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Dommage qu'il n'ait pas levé la tête. Il aurait sans doute pu trouver un coéquipier démarqué. Il décide d'allonger le jeu. Kessier. Milan qui cherche l'étincelle. Mais c'était une belle séquence de possession, mais à l'arrivée, ça ne leur a pas donné grand-chose. Quelle passe! La passe est précise. Dans la surface. Neymar! Il était attentif. Bien joué. Faute. Oh, l'arbitre est clément sur ce coup-là. La prochaine faute, il sortira le carton, c'est sûr. J'ai bien préparé une cigarette parce que je vais évacuer. À la prochaine faute, ce sera carton. Oh, mais là, j'en ai pas assez. Vers l'avant. Il tente de la jouer dans l'espace. L'arbitre siffle une faute. C'est déjà fini celle-là. Chiesa. Ashley Young. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il faut pas se rater. Quelle fait du bien cette interception. Il relance côté droit. S'il le trouve, ce long ballon ne donnera rien. Kessier. Brahim Diaz. Et ce ballon sur l'aile. Il va au duel. Il est sur le côté. Bien joué ça. Le ballon dans la sur... Quelle détente! Allez. Tout près de revenir au score. Il s'est peut-être précipité là. Il avait le temps. Carton jaune pour Eriksen. Quand on commente un match. Ah, il avait laissé l'avantage, mais il lui met un carton quand même pour la faute précédente. Hernandez. Et bien placé, il récupère sur le dégagement. Brahim Diaz sur la gauche. Neymar. Christian Eriksen. Il revient dans l'axe. La frappe. Oh, ça aurait dû faire 2-0 ça. Le gardien fait du très bon boulot là. Un but les aurait mis dans une situation très délicate. C'est bientôt la fin du match. Si ça continue comme ça, ils finiront par avoir des regrets. Brahim Diaz. C'est vraiment dommage, il le manque toujours un petit quelque chose. Bien, la profondeur. L'interception au bon moment. Dommage, c'était la balle du break. Il allonge.
Chiesa. Il y a peut-être un coup à jouer. Il y a danger. Chiesa. Oh, le coup de tête. C'est un mauvais défi de match à 91. Chiesa qui a tenu physiquement. Boum. Là, je crois qu'on peut le dire sans prendre de risque, c'est plié. Hernandez. Chalanoglu. Hernandez. Victoire du derby.